Yo les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 de Luigi Mansion 3 les gars. Franchement, le premier épisode vous a vachement plu. Personnellement, j'ai aussi kiffé, sur ça que je fais une partie 2. Et franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, à commenter, à partager. Moi, je vous laisse avec le générique. Allez, transition. Re les gars, voilà, j'espère que la nouvelle intro pour ce jeu vous plaira les gars. Donc j'ai vu un peu vos retours sur le premier épisode, j'ai vu qu'il vous a grave plu les gars. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, à commenter, à partager pour ne rater aucun épisode à ce let's play. Donc on s'était laissé là. On voit des petites pièces là, tranquillou. On va avoir des petits lingots, bon on peut rien faire pour le moment. Wow! Pourquoi là il y a un truc qu'on peut pas ouvrir? Non. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez 30 secondes. Ok, donc il était dans la poubelle. Allez, on va le suivre. On peut pas sortir. Toile d'araignée, ok. On peut pas sortir par là. Ah ben non. Là, il y en a un autre là. La monnaie, la monnaie, la monnaie. Franchement, graphiquement, c'est magnifique, hein, les gars. Graphiquement, c'est magnifique. Petite cinématique, les gars. L'aspirateur, le fameux. Ok. Ok, donc là il nous apprend un peu le jeu là. Ok. Oui, j'ai compris. Ok. Oh yes! Notre première gemme! Voilà! Voilà! On aspire tout, on aspire tout, on aspire tout.
Et est-ce que maintenant on peut ouvrir? Toujours pas. Allez, à moi la monnaie. Ok. Pourquoi il court? Ok. C'est pour ça qu'ils ont joué à Luigi Mansion 2, ça ils le savent comment ça marche. Hello. Wow. Qu'est-ce qu'il y a à travers ce mur? Oh. Ok. Donc notre petit chat, il est allé direction en haut. Il éternue beaucoup hein, Luigi, il a le Covid. C'est un peu chou, santé. Il y a une petite gemme là en bas. Non. C'est quand même bizarre. Hein. Oh oh. Mario. Ah. Mais moi je suis encore là, pourquoi je suis barré moi? Franchement, j'appréhendais, mais pour moi, c'est bon. J'appréhendais la phase pour capturer les fantômes, mais bon, non, ça va. Je sais pas si vous avez. Enfin, attention, mais il y en avait un plus bleu éclairé, et puis l'autre était un peu plus transparent. Peut-être pour lui donner plus. Plus d'argent, je sais pas. Ok, t'as quand même une clé. Un diamant, ça c'est cool. Donc à chaque zone, il y a différents diamants. Ok. Donc là, il y en a. Un. Ok.
pas touché, c'est pas moi. Ok, donc on va monter vu que notre petit chien est en haut. Ok, donc les clés disparaissent. Ok, ça c'est bon à noter ça. Oh non! Là. Fallait où, petit chien? Fallait là? Ah ben là, il me faut une clé. Une clé. Ah bah elle est là, ok. Mais avant de la prendre ou de sortir, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien tout aspirer. Voilà, on a fait vraiment tout. Là il y a quelque chose derrière. Encore une gemme, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ok, on ramasse toute la thune. On se fait la clé en même temps. Oh mince. Encore un fantôme? Deux? Voilà. 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 Voilà, je te dis. Pas s'en sortir comme ça, toi. Voilà. Oh, oh, yeah. Du coup, je suppose qu'il faut qu'on aille là. La clé a disparu comme toujours. En fait, non, elle disparaît pas. Elle rentre dans la serrure et après, elle disparaît. Ok. Oh punaise, il m'a fait peur. Mais... Putain, il y a un coffre. D'abord, on va voir le coffre. Voilà. Voilà. On va les libérer. On va le débloquer assez vite, hein, ce truc-là. Oh yeah!
Ok, je peux que je tape sur X. Intelligent la psycho. Aussi j'ai que ça. Ça donne masse pièce aussi. Ok, donc là on va les libérer. J'ai tous les cartons devant. Let's go. Que fais-tu dans un endroit pareil? Enfin, nous parlerons plus tard. Là, ce n'est vraiment pas le moment. Tu t'en sortiras avec brio. C'est tout ce qui compte. Luigi, partons au plus vite. Cet hôtel est rempli de fantômes partout. Vite. Non, Mario. Ouyama. Que dis-tu? Tous tes amis ont été capturés. Ouyama. Et tu ne veux pas les abandonner ici? Tu n'as vraiment pas de... pas changé, Luigi. Allez hop. Assez blablaté. Nous devons retourner au garage. Ok, on va retourner. Regardez comme il court. Luigi, mon garçon, regarde l'ascenseur. Je kiffe comme il court. Et tu rigoles, toi. Ah bah c'est du joli. Ouais, donc en gros, ils ont enlevé tous les boutons, quoi. Pas du tout là. Ah, la tête qui fait, je kiffe. Il rigole, il croit que c'est drôle en plus. C'est quoi pour la peine t'attends? Oh le glitch. Voilà, pour la peine t'attends un peu. Voilà. Je dis pour la peine, il attendra. Le premier passe. Allez.
Une blague. Allez, 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 on appuie. Et c'est fini. Allez, encore une fois, et c'est fini, les gars. Il est où? Ah, il est là. Il n'y a pas de valise, là. Let's go. Ben, comme il a vite récupéré son chapeau. Il nous donne quoi là? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Ah, deux boutons d'ascenseur pour le 1 et le 5. Ok. Ok. Ah, mais c'est sa voiture. C'est un chapeau. Une bombe. Il faut exploser le mur. Son laboratoire. On va d'à côté, ça va aussi exploser le toit. C'est son laboratoire, non? Let's go. Wow. Et il prépare son petit fauteuil. Wow. J'ai l'impression que c'est le même laboratoire que dans le 2. Ouais, on passe vite fait ça là. Ok, très bien. Continue de capturer ces fantômes et reviens au labo. Je vais préparer la galerie pour que tu puisses admirer tes captures. Oui. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Aurais-je oublié quelque chose d'important? Oh, effectivement, j'ai oublié tes amis et ton frère. Mais on avais-je... Où avais-je la tête? Oh ouais. C'est quoi ça? Je l'ai baptisé le Virtual Boy ou le VB. Ok. Ah ouais, donc il y a des mini-jeux et tout.
c'est cool ça. Voilà, on va explorer l'hôtel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, 30 secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les commentaires, à partager, à commenter. Et moi je vous dis bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!